Gang. Man, shout out Fashion Every Day. You know we got Design on Every Day too. Fashion Every Day. Lost, now I'm sitting on the map. Last nigga that I ran, I still ain't never get back. Man, you need to work harder, we ain't cutting you the slack. Wake up middle of the night, eat that pussy like a snack. I ain't gotta sell a word, whole gang on attack. Did a shit by myself, don't need features on the track. In the trap, Hall of Fame, I'm just waiting on my plaque. Drinking slow much, think I might throw up off the yak. Nigga said it's static, bro, they know how I'ma react. Say you making plays, but you keep being sack. Catch you in the street by yourself, you know you getting jacked. 16 bitches in my phone, bet she go overreact. Only swipe up on a pic cause I was mad bored. Bitch, you know the pussy I ain't even asked for. Pop up to the show, surrounded by mad whores. The way she clean it, nigga, probably blew the mask. Salut et bienvenue sur la chaîne, c'est Squadra. On essaye aujourd'hui, lors de cet essai complet, la Anis Euros X32. Donc on finit les véhicules de cette mise à jour Bottom Dollar Bounties. Je sais, j'ai mis du temps, mais j'arrive sur la fin, il n'en reste qu'une. Et après on va pouvoir se reconcentrer sur les présentations constructeurs. Et d'ailleurs, je pense que je vais attaquer sur un constructeur japonais, puisque là, on fait cette petite Anis et elle me plaît bien. Alors, pas mal de clins d'œil encore de Rockstar sur cette voiture. Alors, Anis, vous savez, c'est Nissan. La Euros, on a déjà un modèle qui est sorti il n'y a pas très longtemps, lors des mises à jour précédentes, qui était inspiré de la 370Z. La Euros, on avait déjà la Euros dans GTA San Andreas et elle était à l'époque inspirée de la Nissan 300ZX. Là, avec cette X32, eh ben, on fait revivre, Rockstar fait revivre la voiture de GTA San Andreas puisque c'est exactement la même. Elle est inspirée de la Nissan 300ZX ou Nissan Fairlady Z. Vous savez que la série des Z, c'était vraiment les sportifs de chez Nissan. Alors, elle a un nom de code, c'est la Z32, d'où le clin d'œil de Rockstar qui l'ont appelé X32. C'est une voiture qui a été produite dans les années 80, fin des années 80, jusqu'aux années 2000. Elle a été commercialisée au Japon, donc c'est une voiture qui a surtout été vendue aux États-Unis et au Japon. Elle avait été importée en Europe. D'ailleurs, elle développait 300 chevaux grâce à son moteur V6 de 3 litres. Je crois que c'était un V6 de 3 litres, si je ne dis pas de bêtises. Donc en Europe, et c'était vraiment des voitures magnifiques et en avance sur leur temps, hein, comme toutes les japonaises. Donc elle est très bien modélisée. Elle ressemble beaucoup plus à la 300ZX que la version de San Andreas. Surtout sur la partie avant avec les phares, les petits rappels en bas qui sont d'ailleurs les pleins phares, vous allez le voir dans la partie éclairage de la vidéo. On a le toit vitré, bon l'intérieur ça reste du recyclage. On a des belles jantes d'origine qui sont pas mal inspirées des Nissan de cette époque là. Par contre sur la partie arrière, alors ils nous ont mis des feux, vous allez voir, avec des ronds à l'intérieur. Alors, ce qui était caractéristique sur la Nissan 300ZX, c'était ses feux arrière, hein, avec des lamelles un peu comme ça. Vous avez les feux roues, les feux stop et les clignotants, qui étaient sous forme de lamelles, on va dire, de traits. Là, ils les ont mis ronds. Alors, c'est aussi un clin d'œil de Rockstar, puisque ces feux sont clairement inspirés des Mazda RX-7 des années 90. Donc cette voiture, à savoir que vous avez la possibilité de faire un custom d'une version course, ce que j'ai fait moi hein, sur ma voiture que vous voyez là, donc c'est pas un custom au hasard. Ce custom, il est inspiré de la version course de la Nissan 300ZX qui était à l'écurie Clayton Cunningham Racing. C'était la classe IMSA GTS aux États-Unis. C'était une classe de voitures de course, voilà, un peu comme ça, comme les 24 heures du Mans, vous avez les protos, les machins. Et ils avaient créé ces monstres-là, cette voiture qui était équipée à l'époque d'un 3 litres biturbo de 750 chevaux sur les premières versions. Après, on a eu des V8, 4 litres 5, 600 chevaux, enfin des monstres. Et tout ça pour 1200 kg. Et cette voiture, à l'époque, se battait face à des RX-7. Donc voilà, c'était la bataille face à la RX-7. Il n'y avait pas beaucoup de voitures dans cette catégorie. Et ils nous ont mis d'ailleurs le motif inspiré de la voiture de Clayton Cunningham Racing. C'est le motif que j'ai mis sur la voiture. D'ailleurs, j'ai essayé de faire la réplique
de cette voiture. Vous le verrez dans la partie ma customisation. Si vous voulez faire vous aussi la réplique, je vous dis exactement ce qu'il faut mettre dessus. Donc voilà, très gros clin d'œil encore de Rockstar à cette version course de la 300ZX. Clin d'œil aussi à la RX-7 des années 90 qui était la rivale de cette voiture en course puisqu'ils ont mis les feux arrière de la RX-7. C'est clairement ça, hein, les ronds, les deux ronds rouges pour les feux stop et les feux de position inspiré de la RX-7. À ce propos, on a un petit bug, je pense, sur les feux arrière, puisque lorsque vous démarrez, vous rentrez dans la voiture, vous avez le troisième feu stop en haut qui reste allumé constamment. Bon, c'est rien du tout, mais je pense que c'est un petit bug que Rockstar a oublié. Mais c'est pas bien grave, c'est quand même une voiture magnifique et bourrée d'histoires, que ce soit IRL ou dans la série des GTA, les Anis Euros. Donc je vous laisse découvrir l'essai de cette voiture, à savoir qu'elle bénéficie de l'amélioration HSW. Donc vous allez avoir les tableaux HSW, les performances. Maintenant vous avez l'habitude. Vous savez que je ne présente plus que la version HSW pour la performance, mais vous avez quand même les temps de la version normale pour ceux qui sont sur PC. Je crois que vous n'avez pas le HSW. Donc je vous laisse découvrir la voiture, vous allez voir, très bonne surprise niveau perf, c'est une habitude hein, sur cette mise à jour, toutes les voitures sont vraiment très très performantes. Bonne vidéo, à tout à l'heure. Yeah.
Allez, c'est parti pour ma customisation. Donc, si vous voulez reproduire la 300ZX de la Clayton Cunningham Racing, on y va. Alors, blindage, je ne le mets pas. Les freins, un frein HSW au maximum, évidemment. Donc, panneaux de pare-choc, j'ai mis les panneaux de pare-choc de série à l'avant. Le moteur, réglage HSW au max. Les échappements, j'ai mis les grands échappements, puisque les autres, vraiment, il n'y avait rien de bien qui fait course. Insert moderne couleur 2 pour la calandre. Le capot de compétition couleur 1. Éclairage, j'ai pas changé, j'ai laissé les phares de série. D'habitude, je mets les phares blancs, mais là, j'ai laissé de série. Alors, le motif, va falloir le motif course dense ou dense, je sais pas comment vous voulez le dire. Donc, c'est celui-là qui est vraiment inspiré de la 300ZX de course. Les persiennes, alors moi, je les ai mis, j'ai mis persiennes. Après, à savoir que sur le modèle de course, il n'y a pas de persiennes, mais bon, j'ai voulu les mettre, ça fait un peu plus stylé. La plaque, j'ai mis Ecola, la plaque rouge. Donc, diffuseur arrière de course. En peinture, alors en couleur principale, on est sur du classique blanc glacier, ce qui va vous permettre d'avoir les liserés blancs autour des motifs. En couleur secondaire, on est en classique blanc glacier aussi, ce qui va vous permettre d'avoir les liserés blancs en bas des pare-chocs et des bas de caisse. Emblème de crew, alors je l'ai mis à l'avant puisqu'il s'insère bien, on dirait que c'est un petit logo au milieu des autres. Les persiennes latérales, je les ai mises aussi, donc les premières persiennes latérales pour aller avec les persiennes arrière. Le bas de caisse, aileron carbone fin 2. Les séparateurs course carbone fin 2 aussi. Aileron de course couleur 2. Les autres, ils étaient pas assez stylés, je trouve. Ils font plus course, mais ils n'allaient pas avec. Pare-soleil couleur 1, ça vous permet d'avoir le logo Xero là qui se met mieux. Suspension de compétition, donc au maximum. Transmission HSW, maximum aussi. Le turbo pareil, HSW stade 3. Alors les roues, on est sur type de roue, donc circuit. Et c'est les gigamailles. Et pour la couleur, donc perle cuivre anodisé. Vous voyez ce qui va faire le centre de la jante, un peu doré comme ça. Pour les pneus, alors apparence des pneus, j'ai mis les logos atomiques blancs. Et les vitres, j'ai mis vitres fumées. Clair, j'ai pas mis les vitres normales puisque on voit un peu l'intérieur qui n'est pas de course. Voilà pour ma customisation. Le circuit d'essai avec notre Euros X32. Alors, à savoir que là, on est en version HSW, mais vous le savez, les HSW, ça ne fait qu'accentuer le comportement de base de la voiture. Donc, ça accentue tout. Tout est plus fort, on va dire. Donc, c'est une voiture qui est très facile à placer. On a un avant très mobile, donc c'est une propulsion, hein, mais elle a quand même un comportement
très 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 sain. Elle est vraiment facile à mener, vous pouvez la placer facilement. L'arrière peut décrocher, mais voilà, ça va prévenir et ça va être facilement rattrapable. Contrairement à certaines voitures. Après, niveau accélération et vitesse max, c'est vraiment très moyen, mais par rapport aux autres HSW, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans la catégorie coupée. Le tableau top 10 de la catégorie coupé qui comprend pas les HSW, mais vous l'avez quand même écrit en violet, donc on se fait un top 10, on rentre 5e, on se fait même un top 5 avec cette Anis Euros X32, donc encore une nouvelle voiture performante. Ça fait plaisir d'avoir un nouveau coupé puisque c'est une catégorie qui est vraiment pas souvent alimentée par Rockstar. Donc c'est très bien d'avoir un nouveau coupé. Après, les prix, vous voyez, c'est vraiment très cher. Maintenant, n'importe quelle voiture qui va sortir, elles vont être très chères. Mais on a la performance puisqu'on se retrouve 5e. On passe au classement des véhicules HSW. Alors là, ça comprend toutes les catégories puisque c'est uniquement les voitures HSW. Vous voyez qu'on n'est pas dans le top 10, ce qui est normal, hein, il n'y a que des sportives et des super sportives en général, ou la moto. Du coup, on se retrouve 18e dans la catégorie HSW, c'est vraiment pas bon, hein, mais c'est un coupé, c'est un peu normal, vous voyez, puisqu'on est juste au-dessus de l'Ubermart Sentinel XS. Donc déjà, dans les coupés, on est quand même au-dessus, on est quand même devant les autres coupés. On passe au tableau le plus intéressant, le tableau qui résume un peu tout et qui fait aussi un classement des VMAX. Je vous rappelle que ce tableau, vous pouvez le retrouver sur le GDoc, le Google Doc. Vous avez le lien dans la description des vidéos ou dans les commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout simplement, on a la nouvelle meilleure voiture de la catégorie coupée, puisque jusqu'à maintenant, c'était la Sentinel XS. En HSW, là évidemment, comme on a une HSW, évidemment on allait être en haut, mais on est devant l'autre HSW, donc la meilleure nouvelle coupée, c'est cette Euros X32. Vous voyez que la version non HSW est quand même aussi très bien placée. Sur les VMAX, on n'est pas premier, c'est toujours la Sentinel XS qui est première, on est deuxième, la version non HSW se retrouve du coup 15e sur la VMAX, donc gros gap de performance avec cette amélioration HSW. Donc une voiture que je vous conseille très fortement, alors que ce soit niveau perf, niveau histoire dans GTA, niveau histoire irréelle, une voiture qui a vraiment une belle histoire derrière elle, une voiture que Rockstar se devait de mettre dans le jeu. Et vous savez que Rockstar connaît, les développeurs connaissent très bien les voitures, c'est vraiment des passionnés. Avec tous ces clins d'œil qu'ils nous font et toutes ces voitures mythiques qu'ils nous ajoutent, on voit qu'ils sont vraiment passionnés de voitures et qu'ils savent ce qu'ils font. Donc ça promet du très bon pour GTA 6. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour la prochaine. A plus, ciao ciao.